Et voilà, j'ai récupéré une nouvelle moto. Après quasiment 3 mois d'absence. Pouf, ça fait du bien. Hein. Sans surprise, j'ai repris une nouvelle street. Je suis resté chez Triumph. J'avais aucune raison d'aller voir ailleurs. J'aimais bien la street. Bon, malheureusement, notre relation s'est achevée de manière un peu précoce. Mais l'année dernière, j'ai fait un peu plus de 10 000 km en street. Ça me plaisait, j'avais envie de rester avec. Je t'avoue, pour le permis A, j'avais dans l'idée de prendre une 765. Donc avant l'été. Bon, les plans ont un peu changé parce qu'au niveau de l'assurance, bah, j'ai fait une estimation sur le 765 au tiers par mois. L'assurance me propose un contrat à 450 balles. Ça va pas être possible. Je suis resté sur la petite 660 avec l'idée de pouvoir la débrider, de pouvoir la garder plus que 8 mois. Donc au niveau des options, la seule véritable modification par rapport à la précédente, c'est les rétros. J'ai pris les embouts de guidon Triumph, je les aime bien. Sinon, je suis resté vraiment sur ce que j'avais pris avant, à savoir le sabot moteur, les tampons, les LED avant-arrière. J'ai refait faire à la peinture, c'est un noir satin avec le blanc brillant. En fait, c'est la couleur Crystal White de chez Triumph de base. Donc c'est ce qu'on trouve sur la gamme des 765, la R ou la RS, je sais plus. À l'arrière, j'ai aussi pris le capot de selle, forcément, et le support de plaque court de chez Triumph, qui a l'avantage de ne pas être amovible. Le précédent que j'avais, c'est un Evotech. Il était amovible, mais le problème, en fait, c'est que dès que tu prenais un e-pool ou un Dodan en étant un peu trop rapide, c'est variable, ok, d'accord. En fait, la roue, elle venait directement taper le support de plaque, et le support de plaque, il perdait sa position, il était même venu couper mes fils, les fils des clignotants arrière, super pratique, super, j'adore. Donc là au moins, ça bouge pas, ça va être clair, ça va être clean. Faudra juste que je revoie, peut-être virer au moins le catadiope du bas, parce que c'est un peu, c'est un peu too much quoi, ça fait... Bah, sinon, toujours le même plaisir, là je suis en rodage, je prends mon temps, je fais ce que j'ai à faire, super agréable à conduire, donc je t'apprends rien. Hein. Donc mi-mars, je vais avoir la première révision à faire, ce qui va me permettre d'une, de virer le pot d'origine avec sa sonorité Dyson. Et puis je vais changer la selle, je vais mettre une selle de 765 avec les surpiqûres grises, je pense. Quand j'aurai l'occasion, je mettrai des LED pour les feux avant. Ça sera nickel. Bon, après, ce qui me reste avant l'été, c'est de voir s'il y aura possibilité de la débrider. Mais pour le reste, ça devrait pas bouger. Croise les doigts. Voilà pour les nouveautés. Je reviens avec une Street Triple 660. La base. Bon allez, sur ce, ciao! À plus tard!